Get ready, get ready. C'est temps pour apprendre quelques petits anglais simples. It's time to learn some simple English. Hello, one more time. Je dis à nous venir présenter. Y a un petit bagage qui très très mince, mais qui a une importance sacrée. Il y a une importance sacrée. Qui ça lié? Nous toujours une tendance à parler anglais. En pile nous bien sûr, nous toujours penser en français. Ça à cause nous fait pas mal d'erreurs. Mais je dis, nous avons un privilège pour nous apprendre que erreur ça nous était faire, nous pas faire encore. Qui ça lié? C'est non verbe to be avec verbe to have. To be, to have. Deux verbes ça, les noirs parlent français, nous utilisons en pile qui c'est être, avoir. Être, avoir. Nous avons quelques expressions idiomatiques. En français, nous utilisons le verbe avoir. Pourtant, en anglais, nous utilisons le verbe to be, qui c'est être. Ça veut dire français, li avoir. Pourtant, en anglais, li c'est être. Par exemple, soif. Nous avons le mot soif. On dit avoir soif. J'ai soif. Pourtant, en anglais, ça se traduit par thirsty. Thirsty. Pourtant, on dit en anglais to be thirsty. En français, j'ai soif. En anglais, I am thirsty. En français, elle a soif. En anglais, she is thirsty. Ça, c'est une différence. Ça fait une grande différence. Encore, l'autre bagage nous gagne, c'est comment nous dit l'âge nous en français. Dire l'âge, comment dire l'âge? Pour dire l'âge, on utilise le verbe avoir. Quel âge as-tu? Pourtant, pour dire l'âge en anglais, on utilise le verbe être, qui c'est to be. How old are you? Quel âge as-tu? How old are you? J'ai 20 ans. I am 20 years old. À noter, ou bien l'a dit tout, I am 20. Laisse ça, l'ivin informel. Gé ça nous est formel en anglais, l'a dit fois ça complet. I am 20 years old. Mais ou bien l'a dit tout, I am 20. Différence qui gagne, l'a dit la jour en anglais et en français, l'autre différence encore. En français, ou doit dire j'ai 20 ans. Mais en anglais, vous n'avez pas besoin de dire « année », vous n'avez besoin de dire « years old ». Si vous voulez, vous pouvez seulement dire « I am 20 », j'ai 20 ans. Dès que nous avons un adjectif numéral cardinal, et puis précédé par le verbe « to be », devant, et bien ça, il traduit « l'âge ». Adjectif numéral cardinal, nous connaissons déjà, c'est « one »,« two »,« three », and so on. Donc, une fois que vous avez un adjectif numéral cardinal, et puis, devant, il y a un verbe to be, ça veut dire l'âge. Exemple, si vous arrivez à un côté, on m'a présenté, il est marqué sur un tableau, 15, et puis devant, il met le verbe to be, I am 15, mais ça veut dire c'est l'âge. Li. J'ai 15 ans, I am 15 years old, j'ai 15 ans, I am 15, j'ai 15 ans. La même façon. Nous avons le mot fin, qui c'est grand goût. Avoir faim, nous avons avoir, nous utilisons pour avoir faim, le nom de nos gangos. J'ai faim, avoir faim, pour en anglais, auxiliaire là, c'est to be. C'est to be hungry. Il n'y a pas dit to have hungry, to be hungry. I am hungry, j'ai faim. I am hungry, j'ai faim. I am 20, j'ai 20 ans. I am thirsty, j'ai soif, and so on. Nous vraiment pas de gain en pile bagage aujourd'hui, nous t'ai seulement gain ça. Nous espérons t'ai vraiment amusé. Learn as much as you can. Keep learning. And this is why we're here. Thank you so much guys. Bye. Numéro de téléphone nous ca jeune nous, c'est 44 44 20 57 37 42 96 54. M'a pour prendre 44 44 20 57 37 42 96 54. Maintenant, appelle-nous et puis nous allons parler plus.
God bless you. I love you guys. Take care of yourself. Bye.